Coucou, bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes quoi? Le 31 juillet? Oui, on est le 31 juillet. J'ai réceptionné à ce jour dans ma boîte aux lettres un petit colis qui est un petit peu abîmé, hein, ça c'est pas moi, vous voyez, quand parfois on m'écrit Michel, j'ai réceptionné ton enveloppe avec l'oracle, c'est abîmé, machin. Bon, ça c'est durant les transports, à la poste et tout ça. Donc, vous voyez, moi aussi. Bon, il est ouvert parce que j'ai juste jeté un coup d'œil. Donc, vous voyez, c'est arrivé comme ça. Voilà, ça c'était ainsi. Donc, c'est des choses qui arrivent. Hein. Donc, en même temps, voilà, ça voyage et puis ça peut s'abîmer. Bon. J'ai vu il y a quelques semaines, jours, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle même plus à quel moment j'ai commandé. Ça devait être quoi, il y a 15 jours? Bon, je ne sais plus. Peu importe. Ce n'est pas important. J'aime bien suivre parfois les petites vidéos matinales de Mélanie Medium qui est sur Facebook. J'aime bien tout ce qu'elle dit. J'adhère et j'aime l'écouter. Et puis, à un moment donné, j'avais vu, je ne sais plus sur quel, comment ça s'est fait. Hein, parfois, on tombe par hasard et vous savez aussi bien que moi qu'il n'y a pas d'hasard. Sur. Une petite box qu'elle proposait. Donc, est-ce que je l'ai dit ou pas? Donc, je n'ai pas de partenariat à qui que ce soit. Quand je vous présente des nouveaux oracles, c'est moi qui les achète. Sauf exceptionnellement quand parfois j'ai des petites copines qui ont envie de me faire plaisir, qui m'envoient ou on fait des échanges, etc. Mais en dehors de ça, tout ce que vous voyez passer, c'est sauf peut-être. Il y a eu deux, trois petites choses qui sont passées depuis le début de l'année, mais autrement, voilà. Donc, j'avais envie de me commander cette box donc, de Mélanie Medium. Donc, la box bonheur Mélanie Medium. Donc, ok, elle est arrivée. Donc, j'ai envie de vous la faire découvrir ensemble. Donc, j'ai déjà regardé un peu, hein, puisqu'elle était abîmée, la boîte, j'ai quand même regardé. Donc, ok. Donc, est-ce que c'est dû au transport ou pas? C'est pas du papier de soie. C'est du papier, enfin bon, on s'en fout. On va sortir tout ça et je vais vous faire découvrir si vous avez envie, évidemment. Hein. On met la boîte par terre. Voilà. Et donc, c'est un petit peu, voilà. Donc, il y avait une box qu'on pouvait s'offrir pour se faire plaisir. Voilà, bon, donc j'avais vu en détail ce que contenait ou la contenance de ce colis. Et il y avait une chose en fait. Oui, je sais maintenant comment je suis tombée là-dessus. Je cherchais un oracle de Mélanie et j'ai vu qu'elle proposait une box et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et donc voilà, c'est pour ça. Parce que parfois, on voit tellement de choses, on ne se souvient plus. Donc je dis, allez, ok, je suis partante. Donc, alors, Mélanie Delaudier, médium, auteur et conférencière. Donc, il y a son YouTube, Mélanie Medium, son site et sa boutique. Vous savez, en fait, je vous avoue que je vais devoir aller vérifier mes yeux. Enfin, je ne pense pas, mais vérifier. Il me faut vraiment des lunettes et je ne vois plus. Hein. Et c'est venu très, très rapidement. J'ai du mal à. Tout ce qui est écrit tellement petit, surtout que c'est un peu sombre là. L'écriture est petite, donc site et boutique, donc c'est mélaniemedium.wix.com. Et le Facebook, c'est Mélanie Medium, voilà. Donc c'est ça, sa petite cartonnette. Donc elle n'est pas au courant, voilà, c'est comme vous suivez parfois quelqu'un, l'autre personne n'est pas au courant, et eh bien c'est de la même façon. Mélanie ne sait pas, elle m'a rien proposé, pas proposé de faire de trucs, de vidéos ou quoi, ou qu'est-ce. C'est juste envie de partager ça avec vous, quoi. Si vous avez envie de regarder, regardez. Si ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de mal. Sentez-vous libre de faire comme vous avez envie. Donc j'avais juste envie qu'on regarde ça ensemble. Donc, qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça? Donc je suis en congé, donc je me suis dit, allez, c'est pas mal. Là, le colis est arrivé aujourd'hui, c'est mon premier jour de congé. Allez, hop. Écrit positive. Donc, ouais, je pense que c'est une personne très positive. Je ne la connais pas, je n'ai jamais échangé avec elle. Elle ne sait sans doute même pas qui je suis. Donc, ça, c'est très bien.
Ça me va et j'aime bien. Donc, ok. Donc, je l'attendais quand même avec impatience, ce petit colis-là, cette petite box ouverte. Donc, je sais qu'il y avait. Donc, oh, j'aime bien. Il y a donc un collier, un bracelet, pardon. Oh là là, ça se sent que je suis en vacances. Un bracelet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là, 7. Donc, les 7 chakras. Ça me fait penser. Quand je vais souvent, enfin, pas cette année, mais l'an dernier, je suis allée aux Canaries et c'est de la lave. Et aux Canaries, aux îles de Canaries, il y a beaucoup de bijoux et de bagues et de tout ce que vous voulez. Et j'aime beaucoup ça. Donc, ok, évidemment, je vais le purifier avant. Hein, que c'est comme, voilà, vous achetez des cartes ou quelque chose durant le transport, la conception. Juste voir si ça me va. Ah oui, parce que moi, j'ai un petit poignet. Et là, c'est nickel. Généralement, j'ai un problème avec ça. J'ai toujours j'ai un tout petit poignet, vous voyez. Et j'ai toujours des bracelets qui sont. Je suis obligée toujours d'ajuster un peu comme celui-là. Donc, ça me va. Il est beau. J'aime bien. J'aime beaucoup. Il y a un petit cœur là aussi. J'aime bien. Donc, ça, c'est ce qui se trouve dans la box aux nettes. Je sais qu'il y avait aussi des Yogi Thé Cranberry Hibiscus. Qui apporte une positive énergie, une énergie positive. Et Bright Mond, c'est Glückstee. Ah, c'est bien. C'est écrit en allemand. Et ici, c'est. Attends, je lis un peu. Bon, là, je ne peux pas lire. Hein, tu vois, j'arrive plus à lire. Je vois pas. Donc, ça, c'est Bright Mond. Donc, pour la bonne humeur. Et puis, ils disent que c'est un thé de chance. Sans caféine. Donc, je vais me faire plaisir. Et les goûter. Parce que les Yogi Thé, je pense que vous les connaissez tous. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est trop petit. Ah oui! Maintenant, je me souviens ce que c'était. C'est tellement petit. Tu vois, ça, c'est j'arrive plus à lire. Donc, je vais me concentrer. Où est-ce que j'ai mes lunettes? Elles sont de l'autre côté. Parce que j'ai déjà une paire de lunettes. Mais là, il faut que j'aille un cran un peu plus prononcé. Alors, bon, pour une numérologie audio. Ça aussi, ça m'avait vraiment attiré. Pour votre année numérologique au cours, merci de me donner votre date de naissance en me contactant directement sur Facebook. Ce bon vous donne aussi droit à une réduction de 10 euros pour une séance coaching. À tes souhaits, mon fils. Samuel Delaudier, c'est son mari, qui est coach en développement personnel. Et puis le reste, j'arrive pas à lire. Ok, donc vous l'aurez compris. Je suis bigleuse. Bon, c'est dans la famille, hein, et il fallait bien que ça vienne à un moment ou à un autre. Donc, c'est cet oracle que je souhaitais acquérir. Et donc, quand j'ai vu cette. Ah, il y a encore du thé. Et donc, message des guides, oracle numéro 1. Donc, c'est elle qui l'a créé. Donc, on va essayer de l'ouvrir. Qu'est-ce que je voulais dire? Combien coûtait cette box? C'est ce que c'est important. C'était. Je vais abîmer le truc. J'aime bien ces blisters, mais après, pour les ouvrir, vas-y. 49,99 € je crois. Je ne sais pas si on a encore. Je crois que c'était un moment juste. Je me suis dépêchée pour l'avoir. J'aime bien aussi me faire plaisir. C'est important. Donc, c'est ce que je voulais et je suis tombée sur la box et voilà. Et j'adore cette fleur de tournesol, cette couleur orange, orangée, cette luminosité là. J'aime bien. C'est bien les blisters, hein, mais. Alors vous allez dire, ah, mais elle est chiante avec sa box là. Bon, j'avais envie de vous la montrer, quoi. Oups. Elles sont grandes, les cartes. Ah, oh, j'aime bien ça. Compliqué. Oh, ouais. Quand c'est tout nouveau. Tout beau. Donc c'est ce que je voulais. Et il y a quoi encore? Il y a encore le livre et encore un petit peu de thé. C'est bien. Et la boîte. C'est pas pour faire une review, hein, c'était juste pour. Voilà. Sans le livre oracle. Ah oui, ça c'est les cartes et ça c'est le livre oracle. C'est ça? Avec le livre oracle, sans le livre oracle. Carte oracle, message des guides. Mélanie Delaudier. Cet oracle est un véritable outil pour celui qui veut avancer au quotidien grâce à l'aide de ses guides spirituels et du monde de l'invisible. Facile à utiliser, vous permettra d'obtenir des réponses concrètes à vos questionnements. Accompagné de son livre oracle, il vous aiguillera dans vos démarches, actions et prises de décisions. Oui, moi aussi j'ai des démarches à faire, moi aussi j'ai des actions à mettre en œuvre et aussi des décisions à prendre.
Ces cartes messages des guides sont en réel lien avec le monde énergétique, un cadeau du ciel. Ouais, merveilleux. Premier opus d'une lignée de livres et cartes messages des guides, vous pourrez ainsi compléter votre bibliothèque spirituelle grâce aux autres ouvrages et cartes de cette collection. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous invite à découvrir et vous délecter des messages des guides que j'ai répertoriés au cœur, avec cœur, ou au cœur si tu veux, pour vous les transmettre dans cet oracle. Puisse-t-il résonner en votre âme? J'aime bien. Recommandation de l'auteur. Cet oracle peut être utilisé avec ou sans le livre qui est associé. Livre, oracle, des messages, des guides. Ok, il est là. Prenez bien soin pour la première utilisation de vous approprier les cartes, leur énergie, en les remerciant d'être venus jusqu'à vous et en liant vos énergies communes. Eh bien, moi, je suis ravie de vous accueillir. Je ne peux pas dire des cartounettes ici, hein, parce que c'est des belles grandes cartes. Cet oracle peut être utilisé pour vous-même, mais aussi pour faire des tirages à d'autres personnes. Il vous est recommandé de ne pas utiliser cet oracle à plusieurs reprises le même jour pour la même question. Tout à fait. C'est valable pour... On ne s'acharne pas si on n'obtient pas la réponse qu'on veut. Parce que généralement, c'est toujours ce qu'on veut, hein. Mais est-ce que ce que tu veux est bon pour toi? Ce qui est important... C'est ici ce qu'on nous indique. Hein. L'importance de lâcher prise. Non, alors attends. En effet, il est nécessaire de comprendre l'importance du lâcher prise dans ces démarches, faire ainsi entièrement confiance à vos guides spirituels, ici et là-haut. Hein. C'est eux qui vont t'envoyer le message. Alors, Mélanie est médium depuis 2010. Elle travaille avec toute une équipe céleste, défunts, guides, anges, maîtres ascensionnés. L'écriture est devenue un outil essentiel dans sa tâche de partage. Bienveillance et amour de l'humanité la caractérisent. C'est avec beaucoup de respect, et ça j'aime bien. Entre vous et moi, c'est moi ce que j'aime beaucoup, c'est le respect, l'humilité. Ça, pour moi, l'énergie que la personne dégage, pour moi, c'est méga important. L'humilité, ouais, c'est méga important pour moi. Pour suivre son activité, vous pouvez la rejoindre. Donc, comme je vous l'ai dit, YouTube Mélanie Medium, Facebook Mélanie. J'espère qu'elle va pas m'en vouloir parce que j'ai fait une vidéo comme ça. En plus, elle ne sait pas. Hein? Parfois, on ne sait pas si les gens apprécient ou pas. Bah du coup, je sais plus, j'ai la chair de poule maintenant. Bon, bah, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que j'aurais dû lui poser la question. J'ai eu la chair de poule, du coup, j'ai un doute. Je vais réfléchir. Je vais déjà continuer pour suivre la vidéo. On verra si je la télécharge ou pas. Et puis, ça, c'est ce qu'on va faire. Et on va poser la question à son oracle. Alors, pour l'instant, il n'est pas purifié. C'est vrai. Mais on peut le faire ensemble si vous voulez. Et puis on va demander à ce merveilleux outil de nous donner ou de me donner un conseil. Est-ce que c'est OK de présenter la box ou pas? Non, on va le faire. Mais avant ça, je vais juste encore vous montrer l'autre sachet de thé. Donc ça, c'est un thé relax, qui calme, grand calme. Encore un yogi thé, parfait. Ça, c'est bien dès l'automne, c'est parfait. Et donc, attends, je vais vous finir la box. Est-ce que ce papier, il est un petit peu déchiré? Et donc, le livre Oracle, voilà. On va me demander... Ah bon, je l'ai abîmé, hein, mais c'est pas grave. Oh, c'est quoi? C'est un scotch avec des cœurs, des bisous. Ah, oh, c'est mignon. J'aime bien. Bon, eh bien, je vais chercher mon Paolo Santo. Non, pas mon Paolo Santo. J'en ai pas ici. Si, j'en ai. J'arrive. Et voilà, je suis là. On va un peu purifier, nettoyer cet oracle qui m'a l'air très, très...
J'aime bien, oh là là. En plus, actuellement, hein, chez nous, enfin en Alsace, il y a plein de champs de tournesol. Mais quand tu es sur l'autoroute et que tu les vois et que tu te dis à ton mec, mince, mais arrête-toi et tout. Il me dit, mais je peux pas, Michel, tu veux que je m'arrête comment? Je veux, mais moi, je veux faire des photos, ici et ça. Bon, j'aurai quand même l'occasion, maintenant que je suis en vacances, de le faire changer d'avis. De trouver un endroit où on peut s'arrêter. Palo Santo, c'est très bien. En plus, ça sent bon. Mais parfois, on a du mal à. On a du mal, parfois. On peut faire carte par carte. Mais aussi, comme on est en live là maintenant, on nettoie, on purifie l'oracle de Mélanie de l'odieux et je le fais mien. J'enlève toutes les énergies qui ont pu se greffer durant le transport. J'ai pas vu encore, hein, durant le transport, la fabrication, etc. On peut le frotter sur le cœur, d'ailleurs, je vais le faire. D'habitude, je fais carte par carte quand on a le temps, hein, c'est comme toujours. Mais tu émets l'intention que cet oracle, il est à Michel. Oh, il y avait un petit rond. Il est à Michel. Il est mien. Il est nettoyé, il est purifié. Il est propre à l'utilisation. Et pour que je puisse l'utiliser. Oh, j'ai des tachycardies. Je m'en réjouis de l'utiliser. Certains émettent tout simplement l'intention. Il y a plusieurs façons de faire. Peut-être si vous avez besoin un jour d'une vidéo de cet ordre-là. Mais l'intention, c'est une grande importance. On peut faire carte par carte, hein, comme ça, comme ceci. Tu peux aussi tout simplement toucher chaque carte. Je ne sais pas le nombre de cartes qu'il y a, je ne vais pas encore regarder. Tu mets ton ADN en fait, hein. Tu déposes ton ADN. Tu le fais tien, tu le fais ton ami, ton guide, pour te permettre d'entendre, voir, ressentir avec clarté les messages qu'il veut te transmettre jour après jour. Tu le purifies régulièrement. Tu prends soin de lui comme un ami. Tu le chéris. Tu le respectes. Comme un ami, quoi. Ensuite, on va lui demander s'il est d'accord que je publie cette vidéo. Et puis on verra le message qu'on reçoit. Et en fonction du message que j'aurai, eh ben je publierai ou pas. Il n'y a rien de. À partir du moment où ça vient du cœur, où c'est positif, je vois pas non plus pourquoi ça devrait. Poser le moindre problème. Bon, ça prend du temps, non? Mais je vous le montre un peu pour. Comme ça. Quand j'ai quand même par mon trépied entre tout ça, c'est plus simple. J'ai mon trépied entre tout ça. Je mets des boîtes à moitié à l'épaule. Tu poses ton ADN. Certains vont dire, mais c'est long ce process, mais tu fais comme tu le sens, tu le fais tiens, tu l'embrasses, tu le chéris, tu peux dormir avec, surtout tu le mets sur la table de chevet, tu fais comme tu as envie de faire. Hein. Ça, c'était juste, voilà, pour. Il y a plusieurs façons de faire. Oups! Tu le frottes sur ton plexus solaire, comme je vais faire maintenant. C'est mon mien. C'est mon mien.
C'est le mien. Il est à moi. Je t'aime déjà. Donc ça, c'est le livre. Oups. Vous voyez? C'est pas grave. C'est rien du tout. Tu mets un dico et c'est bon. C'est rien. Tout ça, c'est rien. Allez. Bon, mon cher ami qui vient d'arriver, je t'accueille dans mon cœur, dans ma vie. Je me réjouis. Alors, est-ce que cette vidéo... Ça fait trop beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord pour que cette vidéo soit postée? Pourquoi vous voulez me donner tellement de messages? On va voir un peu. Hein. C'est fort, hein, c'est puissant ce tournesol. Le bonheur en soi ne s'explique pas, il se vit. Le bonheur en soi ne s'explique pas. C'est une carte méga positive qui me dit ne t'explique pas, vis, fais les choses. Les petits bonheurs de la vie. C'est écrit petit. Hein. Ne remets pas au lendemain ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Donne-toi et le ciel te donnera. Illumine ta vie autant que celle des autres. Eh bien, écoute, je pense qu'on a quand même des beaux messages. Dès aujourd'hui, je vais mettre cette vidéo en ligne. Un petit bonheur, ça ne s'explique pas, ça se vit. Donc, donne vie à cette vidéo. Ne remets pas au lendemain ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Donne-toi, le ciel te donnera. Et illumine ta vie, si ça illumine vos vies, si vous partagez un petit moment de bonheur avec moi ici, c'est parfait. Mais on va quand même voir le livre. Le bonheur en soi ne s'explique pas, il se vit. Alors, comment on fait pour lire? Je suis un peu maladroite avec les reviews, c'est vraiment pas mon truc. Oh, que cette box vous comble de bonheur, Mélanie. Oh, c'est trop mignon. Oh, le bonheur, on a le bonheur, regarde. Elle est d'accord avec moi, c'était une merveilleuse synchronicité. Bonheur, bonheur. Vous voyez, j'ai même pas vu, vous voyez? Je cherche pas, c'est ok. Comment je fais maintenant? Il n'y a pas de sommaire, comment on fait pour les cartes? Derrière, peut-être? Ah non. Ben, je sais pas, c'est la carte numéro... Oh, 21, je suis bête. Le 21, c'est la carte, le monde, c'est ça? Dans le tarot, c'est le monde. Alors, attends. Ouais. Pour que tout le monde puisse la voir. Alors, quel bonheur d'être en vie, vos guides vont le remémorer. Vous le remémore ici, cette chance va de respirer et d'être, tout simplement. Mais comme les mots sont restrictifs pour nous exprimer sur le sujet. La vie est un cadeau, un bonheur, pas tous les jours facile, certes, mais parfois un sourire. Les chants des oiseaux, un compliment, un mot d'enfant, un souvenir va nous faire ressentir toute une palette de sentiments, d'émotions. Bien-être, joie, plaisir, allégresse, exaltation, euphorie, gaieté, rire. Comme il est bon de vivre pleinement ces petits bonheurs au quotidien, mais comme il est bon aussi de les contempler et de les garder précieusement au fond de son cœur. Le bonheur est subjectif, mais tout à fait contagieux. Riez, souriez, complémentez, dansez, chantez, vivez! Donne vie à cette vidéo! Ici, nous avons la carte 29. J'aime bien les photos. 29. Donc, ne remets pas au lendemain ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Donne-toi et le ciel te donnera. La procrastination n'est pas la bienvenue dans le monde énergétique. Donc, on ne procrastine pas, on publie. Donnez-vous ce que vous méritez vraiment, le meilleur de vous-même. Vous êtes capable et vous le valez bien. Soyez-en sûr.
Et ici, 25. Que des 20 en fait. 20, 29, 25, c'est vrai, hein? 25. Soyez le phare de votre vie et de celle des autres. C'est ça, non? Mais c'est pas 25. Mais si, c'est la même image. Pourquoi je n'ai pas la même image? Pourtant là, c'est la même image. Et la 25, c'est pas la même image. Si, je comprends pas. C'est peut-être si, je sais pas. Bon, enfin bref, peu importe, on s'en fout. Soyez le phare de votre vie et celle des autres. En tout cas, voilà, mes petites lumières, est-ce qu'il y a encore... Donc c'est elle, Mélanie, hein, vous l'avez sans doute déjà vue. C'est pas grave, hein. Aime bien, moi, aime bien. Je vous montre un peu, 2-3 secondes, les autres cartes. Un peu petit peut-être pour moi, parce que je suis bigleuse, vous l'avez compris. Mais ces cartes, on peut encore les acquérir, mais pas la box apparemment, parce que c'était juste un temps. Ça doit être des photos qu'elle a prises elle-même, hein. C'est, je suis quasi sûre que c'est elle qui les a prises, ou certaines fois des tableaux, mais je ne sais pas. Des beaux messages en tout cas, ça j'aime bien. Parfois long, parfois plus court. Bon, c'est des signes qu'elle voyait tout au long de ses promenades, des balades, des sorties. Peut-être c'est ça. J'aime bien. Là, j'aime bien quand c'est écrit grand, tu vois. Mais c'est pas, il n'y a pas de problème. Là, j'arrive pas à lire du tout. Là, c'est impossible pour moi de lire. Là, on arrive bien à lire. Bon, voilà, mes petites lumières, c'était ma box. La box douceur de Mélanie Médium. Bonheur. Donne-toi, le ciel te donnera et les mille ta vie autant que celle des autres. Bon, eh bien, écoutez, merci pour ces merveilleux messages. Mélanie Médium, Mélanie Delottier. Bon, eh bien écoutez, pour ma part, j'ai fait le tour. Ah tiens, c'est bien ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé découvrir tout cela. Eh bien, je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse. Portez-vous bien et jetez un petit coup d'œil. Mélanie n'est pas au courant, mais elle saura peut-être ou pas. On verra. Bisous, bisous.